L'inondation de milliers d'hectares de culture dans la boucle du Mouhoun, c'est la deuxième fois que le phénomène est observé en 3 ans. L'ensablement du fleuve Mouhoun serait l'une des causes de cette inondation qui est un véritable coup dur pour les producteurs de la région. La direction en charge de l'agriculture a fait le déplacement pour évaluer les dégâts. Nabaïda Dabiré et Karim Ouattara. À environ 2 km du fleuve et même 3 km à certains endroits, les cultures sont dans l'eau. L'eau du fleuve a quitté son lit, envahissant en même temps les champs. Presque toutes les spéculations sont concernées par cette inondation. C'est des champs de bananes, des champs d'oignons, des champs de type comme du piment, et également du haricot, du niébé, de l'arachide. Tout est noyé. Parce que vraiment, c'est vraiment actuellement, on est vraiment tout le monde est tourmenté. On dort mal, hein. Vraiment, ça ne va pas. Et parce que l'année passée, on était dans le même cas. On s'est débrouillé l'année passée, se relever. Voilà, cette année encore, on est dedans. C'est devenu récurrent. 3 hectares là encore. J'ai perdu plus de 3 hectares situés à 1 km du fleuve. J'ai pu récolter un peu le niébé et j'espère aussi au niveau du riz. La tristesse se lit sur les visages. Si certains ont pu récolter une partie de leur maïs par pirogue, d'autres n'auront rien dans leur grenier car engloutis par les eaux. Je suis en train de récolter mon maïs. C'est pas arrivé, mais je n'ai pas le choix. Bon, il est là, pas comme vous constatez, je n'ai rien pu sauver. Le grenier sera vide. Nous souhaitons de l'aide pour mener la maraîchère culture, sinon c'est grave. Les pertes sont donc énormes. Les récentes pluies et surtout l'ensablement du fleuve auraient provoqué ce débordement débuté depuis le mois d'août dernier. Débordement, ça fait au moins deux mois, probablement 2 mois, que en tout cas on était signalé que l'eau en tout cas débordait du fleuve. Les dégâts sont énormes parce que quand tu prends le village de Kamandena, on peut estimer plus de 300 hectares qui sont inondés. Ceux qui peuvent récolter ne vont pas dépasser peut-être 5%, les 300 hectares. Puisque le stade où l'eau est sortie, c'était le stade de floraison. Donc, c'est ceux qui avaient eu la chance, qui étaient en maturité, qui ont, bon, comme on a constaté, sont dans l'eau en train de récolter. De l'autre côté du fleuve, dans la Kossi, la situation est plus grave. L'eau du fleuve s'étend à plus d'une dizaine de kilomètres à certains endroits, inondant des habitations. La plupart des producteurs fondent leur espoir sur les cultures de contre-saison. On entend les recenser, les sinistrés, et en tout cas, en train d'essayer de plaider auprès des autorités compétentes pour qu'on puisse les accompagner dans la production de la campagne sèche. C'est une deuxième fois en 3 ans que ces populations vivent cette situation. En attendant une quelconque aide, l'évaluation des dégâts se poursuit du côté des agents en charge de l'agriculture.